Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo pendant ces vacances de Noël et puis pour couper cette deuxième semaine de vacances donc qui vont hélas qui touche à sa fin avec donc le réveillon ce soir du nouvel an. Et puis c'est un peu l'occasion eh bien de faire une vidéo un peu différente hein. Toujours sur Forza 6 qui a un contenu, je l'ai dit répété, absolument énorme. Et il y a une nouvelle petite un petit rassemblement que j'aime beaucoup, et c'est celui où vous affrontez tout simplement ni plus ni moins que le Stig, le fameux pilote inconnu de l'émission de la BBC Top Gear, et donc qui propose avec plusieurs voitures sur plusieurs circuits différents, avec des conditions météo changeantes à chaque fois, de défier le Stig ni plus ni moins qu'en duel. Donc je vous conseille vivement d'augmenter la difficulté au maximum, hein, chose que j'ai faite sur Forza 6. Étant donné que je joue à la manette, j'ai gardé pas mal d'aides. J'ai désactivé les aides au freinage et les aides à la conduite. Et après j'ai gardé bien entendu toutes les autres, hein, telles que l'ABS et un peu le contrôle de traction. Et pour permettre bien entendu eh bien, d'avoir une difficulté maximale tout en ayant un toucher à la manette agréable. Comme je vous l'avais dit, je déteste désactiver les aides à la manette, je trouve que ça n'a aucun sens. Faut un volant voilà, pour vraiment avoir le plaisir de conduite au maximum. Parlons de Top Gear justement, c'est vrai que Top Gear qui est l'émission phare de tous les amateurs de sport auto et de belles voitures, eh bien Top Gear hein, qui fera son grand retour sur la BBC en mai prochain pour une 23e saison, bien entendu sans le trio infernal et légendaire qu'on a connu hein, tout au long de ces années, depuis que Jeremy Clarkson avait pété les plombs l'an dernier. Eh bien du coup tous les trois, donc Clarkson a été renvoyé et puis James May et Richard Hammond ont tout simplement suivi Jeremy Clarkson pour se diriger vers un concurrent de taille, un concurrent internet qui est donc Amazon, et donc pour proposer une nouvelle émission dont on ne connaît pas grand chose pour l'instant. On a eu quelques petites images qui ont filtré sur le net, notamment de quelques photos de Jeremy Clarkson au volant d'une dépanneuse avec des vieilles Maserati et tout ça. On sait dorénavant quels seront donc les futurs animateurs donc, qui seront sur la BBC en mai prochain. Donc on connaît déjà tous Chris Evans, hein, qui est l'animateur radio, qui avait déjà fait des apparitions dans Top Gear, notamment au volant de la voiture petit budget. On retrouvera également Chris Harris, hein, aussi lui qui est un pilote donc, qui a écrit pour Autocar, Evo ou Jalopnik, donc, et qui a aussi un passé avec du sport automobile, notamment aux 24 heures du Nürburgring. Une pilote allemande, donc, qui sera donc Sabine Schmitz. Et puis pour finir, bien entendu, le légendaire, si je puis dire, David Coulthard, hein, que les Anglais adorent. Hein. C'est vraiment lui et Nigel Mansell qui sont vraiment les deux pilotes anglais phares, mis à part au-delà de Lewis Hamilton, hein, qui n'a pas du tout le même tempérament. Donc ça sera David Coulthard qui sera donc le quatrième présentateur de cette nouvelle saison de Top Gear, accompagné bien entendu du Stig. Donc qui est en train de prendre de l'avance, et j'ai réussi un peu à revenir sur lui d'ailleurs. Et donc vous allez voir que c'est à chaque fois c'est pas beaucoup de tours, mais c'est vachement génial, faut pas faire d'erreur. Et c'est encore une fois une très bonne réussite dans Forza que d'avoir intégré ce système, donc un Top Gear qui est vraiment encore au centre de ce Forza 6 qui est apparu sur Forza 5. Vous pourrez faire les tours chronométrés, notamment ceux de l'émission où vous avez la voiture petit budget avec une star à l'intérieur. Et là, magnifique extérieur sur le Stig pour m'emparer de la première place. Donc voilà, c'est une vidéo très courte. Mais des fois, les vidéos courtes sont les meilleures. Donc moi, je vous dis eh bien, à dimanche pour de nouvelles aventures. Ça serait une surprise. En attendant, bon réveillon du nouvel an. Allez, salut à tous.